These bad bitches, accolades, got Will's son, no castaway. I'm twice as good, get half the praise. Throw a sniper up and I blast away. You ain't getting through me, nah. Tim Howard, been here 10 hours, my chick's sour. Rising and falling together, though, like we the Twin Towers. Nothing's taken, I'm frustrated. If I could only get just to blaze it, ain't no doubt that I'd muster greatness, no chip off. Wesh les gens, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Alors bienvenue sur la ENDC et cette fois-ci c'est moi le leader qui suis chargé de vous accompagner durant toute cette première vidéo. Bon, c'est pas la première vidéo que je commente, mais ça fait un moment que j'ai pas commenté sur la chaîne de Team et ça me fait plaisir de venir commenter pour parler avec vous tout simplement. Alors aujourd'hui nous vous présentons une première nucléaire sur notre chaîne. Alors, après je sais pas, au monde ça doit être la première nucléaire réalisée sur Splash. Voilà, un très très beau gameplay réalisé par Kaiser, ENDC Kaiser, un membre bien de la ENDC que vous allez voir sûrement, vous allez voir beaucoup beaucoup sur la NDC. Alors vous allez voir que dans ce gameplay il joue à la Razorback sur la map Splash du premier DLC de Black Ops 3 qui vient de sortir aujourd'hui au moment où je fais le commentary. Alors son nom du DLC, je crois, moi j'ai pas un bête d'accent, donc je ne sais pas si ça a bien passé. Awakening. On sait jamais, j'ai dû parler comme un blédard, je ne sais pas, au moment où je l'ai dit. Voilà, vous allez voir que dans ce gameplay, bon, je sais pas si vous allez voir, mais il était en groupe de 2 et il va nous réaliser tout simplement un 40 GS. J'espère qu'en tout cas que ce gameplay vous fera plaisir à voir. N'hésitez pas surtout à vous abonner à sa chaîne, il va bientôt atteindre les 300 abonnés. Nous allons tenter d'uploader cette vidéo à quelques chaînes communautaires en espérant qu'ils nous acceptent. Et si l'on passe sur des chaînes communautaires, n'hésitez pas à vous abonner au player et à vous abonner pourquoi pas aussi à notre chaîne pour que nous puissions nous faire connaître un minimum car nous proposons pas mal de gameplay. Vous allez voir que sur notre chaîne, nous allons uploader des nucléaires plutôt sur toutes les maps du DLC. Actuellement nous avons presque toutes les maps, ouais je crois, bah, je sais pas, ça fait un moment, j'ai pas encore vérifié, mais voilà, vous allez voir toutes les maps du DLC avec une belle petite nucléaire derrière. J'espère que ça vous fera plaisir, n'hésitez pas vraiment à lâcher un petit like pour ce gameplay, pour ces gameplays qui vont sortir aujourd'hui ou demain, voilà, ça dépend de quand je vais les upload. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à vous abonner au player parce que c'est grâce au player que nous pouvons proposer ces gameplays. Et aux commentateurs, les prochains commentateurs qui vont passer sur la chaîne. Voilà, nous allons présenter aussi bientôt peut-être les mises à jour 1.05. Voilà, il y a un commentateur qui va le faire. J'espère que ça vous fera plaisir car la mise à jour 1.05, il y a beaucoup de choses qui ont été apportées. Et ça, c'est un truc qui fait vraiment plaisir. Moi, quand je l'ai vu, j'ai fait la mise à jour, j'ai vu. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est pas une petite mise à jour où ils ont nerfé quelques armes et tout. Non, c'est vraiment une grosse mise à jour où il y a plein de trucs qui ont été corrigés. Et ça fait vraiment plaisir. Alors là, on va parler un peu de cette map qui s'appelle Splash. Alors, c'est une map qui se déroule dans un parc aquatique, comme vous pouvez le voir. Qui dit parc aquatique dit beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau partout, vous allez voir. Ça, c'est sûr. C'est une map plutôt colorée, comme vous pouvez le voir dans ce gameplay. Moi, j'ai un peu joué dessus. J'ai joué une fois encore, parce qu'après, je suis parti faire le commentary. J'ai joué une fois. C'est une map assez colorée. Les spawns sont assez bien. Le design de la map est assez bien. Mais je vais vous poser une petite question assez simple. C'est, je sais pas vraiment une question. Je sais pas comment la formuler, mais c'est... Vous préférez plus des maps de ce style-là, comme Splash, genre dans un parc aquatique, un parc d'attractions, des trucs comme ça, je sais pas. Ou des maps plutôt où ça fait vraiment référence à la guerre, où on voit qu'il y a eu la guerre dedans. Moi, je préfère plus, je donnerai mon avis. Moi, je donne mon avis. Moi, je préfère plus les maps où on joue, t'as l'impression que t'es vraiment dans une guerre. Par exemple, on voit une ville qui est un peu détruite et tout, il y a le feu. Je préfère ce style de map là, voilà, ça fait vraiment référence à la guerre, tu joues à Call of Duty. Moi je trouve que plus on avance dans les Call of Duty, plus on a plus cette référence de guerre. Voilà, on a plus vraiment cette référence de guerre. On joue dans des maps, voilà, ça s'appelle Splash, je dis pas qu'elle est mauvaise, elle est bien. Mais voilà, j'ai plus cette référence de guerre, je sais pas si vous pensez à la même chose que moi. Moi j'aimais bien, voilà, c'est Call of Duty, un jeu de guerre, je suis là pour tuer, pour faire gagner mon équipe. Il n'y a plus cette sensation-là, je veux dire, il n'y a plus cette sensation-là. C'est plus, vas-y, on va jouer dans une map aquatique, dans un parc plutôt aquatique. C'est, voilà, elle est belle la map et tout. Voilà, ça fait pas vraiment référence à la guerre. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Moi, voilà, j'ai donné mon avis, je préfère plus les maps où vraiment ça fait vraiment référence à une guerre. Tu vois, la ville, elle est détruite, on se bat dans un quartier, c'est même pas des villes, c'est un quartier. Voilà, c'est un petit quartier, la ville, le quartier il est détruit, vous allez voir des voitures, elles sont retournées, il y a le feu. Voilà, on se bat dans ça, je préfère des maps comme ça. J'aimerais qu'ils fassent des maps comme ça, que des maps, voilà, on se bat dans Splash, dans, voilà, je sais pas quoi. Dites-moi ce que vous pensez, c'est pas vraiment une question de
ce que je viens de dire. N'hésitez pas ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette map splash. Dites-moi ce que vous pensez du gameplay. N'hésitez pas à vous abonner au player. Il va bientôt atteindre les 300 abonnés. J'espère que ça nous fera plaisir. Abonnez-vous à la END si ce n'est pas déjà fait. Et je sais pas quand vous allez voir la vidéo, mais n'hésitez pas à checker la description pour voir les autres nucléaires sur les autres maps qui sortiront peut-être, bon, qui vont sortir sur la NDC. Et n'hésitez pas à lâcher un like. Franchement, faites-nous plaisir de lâcher un max de likes. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné au commentateur, au player. Bon, le commentateur, c'est moi, là, j'ai pas de chaîne. Au player. Et on se retrouve plus tard sur les autres maps avec un autre commentateur qui sera là pour vous accompagner. Allez, bye les gens.